Ça manque de présence sur le... dans les graves, là. Je crois que tu arrives après, Max, en fait, toi. Non, je suis exactement... Ah ouais, dès le début. Alors, nous voici à Carrurouatte, lieu dit perdu dans la cambrousse quimpéroise. Nous nous retirons pour faire un petit peu de bruit. Donc là, c'est bien, on ne dérange personne. Alors, je vais vous faire visiter les antres du manoir de Carrieux. Donc, on s'y retrouve principalement donc, avant la préparation du concours de Lorient. Alors, nous sommes deux groupes à nous partager l'espace de Carrieux. Le Bagad Quimper et le Bagad Lazic sont viviers de formation. Donc, nous avons ici quelques cornemuses qui travaillent. Il a plu toute la matinée, donc on n'a pas pu sortir toute la percussion, quoi. Donc, du coup, on a été jouer dans le hangar juste là-bas à côté. Et du coup, voilà, vu qu'il y a une petite éclaircie, on vient jouer là, quoi. D'être à Carrieux, ça nous permet de se couper d'un peu du monde. Donc on est arrivé là lundi matin. On a monté la suite quoi, déjà pour Lorient. Donc pas mal de boulot, quoi, surtout sur le détail et tout. Donc ça prend beaucoup de temps. Quoi. Le fait d'être tous ensemble comme ça une semaine, ça rapproche les gens. Donc du coup, ça va être pour le concours, quand même pour les suites et tout. Je pense que c'est un plus. Quoi. Encore remettre le plan, bon bah vite fait avant, là, il a petite anaconde. Là. À mon avis, ça a dû ressortir des têtes, ça. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Labididap. Labididap. Plus sec encore. Un, deux, trois, quatre. Tabididap. C'est un ancien de Saint-Patrick. C'est un ancien de Saint-Patrick. 1, 2, 3, 4. Tabididap. Lui aussi. Tibididap, Tim. Tidadidap. Tidadadadidadi. Il y a juste cette zone-là. Tibididap, pam, 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 param. Piradadadididididi. Tibididap. Tabididap. Tibididap. Faire en sorte que je te vois sur la mélodie. Oui. Parce que moi, tous les attaques et tout, bah, je suis perdu, quoi. Ouais, à ce moment-là, donc, il faut que vous soyez... On se recule ou peut-être... Reculer et ouvert comme ça, à ce moment-là. Tourner un peu... Ouais, légèrement décalé, parce que là, vous êtes comme ça. À ce moment-là, vous sonniez un petit peu comme ça. Un peu vers... Comme... Ouais, et ouvert vers le centre. Mmh. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Comme ça, on se verra mieux. Ce sera bien plus efficace, ça. Bien. Mmh.
On est fatigué aujourd'hui. Mais demain, ça ira mieux. Il y a eu des concours, c'est normal. Ouais. Le stage est fatigué. Ouais. Là, aujourd'hui, on n'a pas la pression. On est cool, on est pisse. Hein, on est pisse, là, pour l'instant. Non, demain, 5 minutes avant de passer. Pour l'instant, ça va. Et je te laisse 3. Tu veux 3 crêpes ou une crêpe? Attends, t'as qu'à en faire des toutes petites là. Et tu fais une comme ça. De toute façon, au pire, t'en fais plus. Je fais si large quand même. T'en fais plus au départ, d'après tu verras, c'est pas grave. C'est un rituel de se couper les cheveux avant un concours ou quoi? Ouais, enfin, c'est pas vraiment se couper les cheveux là, c'est un peu n'importe quoi. Mais ouais, enfin, tous les ans, ouais, on fait un peu des petites folies quoi. Une coupe de guerriers. Tu peux me raconter comment t'es arrivé dans le bagage de Quimper? Bah moi j'ai commencé en fait à Pénars en 97. Donc au bagage là-bas, j'ai fait 4 ans là-bas, puis après je suis venu à Quimper. Qu'en 2001 je suis arrivé au basique. Et là je suis monté en 2003 en fait au bagage quoi. Et en fait j'ai commencé parce que c'est mon frère qui a commencé à la bombarde et du coup j'avais vu, j'allais le voir souvent pendant ses prestations et. Du coup, bah, j'ai été faire un tour, quoi. Et puis voilà, du coup, je suis resté. Donc, je vais tenter de faire pareil, là, de l'autre côté. Ouais. Tu vas faire un dos avec les oreilles. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? L'os pas symétrique. Ah, il est pas mal. Coupe concours. Dormez la tête. Ah non, c'est bien, c'est chouette. Hein. Non, c'est terrible, vraiment c'est chouette. Nickel. Le soir on répète et après c'est quartier libre, on dort ici, donc apéro, on mange, on joue aux fléchettes le soir, on joue aux cartes, on chante, et puis des fois ça finit un peu en boîte de nuit. Voilà, pour résumer à peu près une journée à Quérieux. Toi. Très bien. Tu vas faire peur à l'Orient. Bon, je souhaitais qu'on se donne deux fois l'occasion de jouer la même chose. On ne jouera pas deux fois la même chose puisqu'il manquait du monde dans la concentration au départ. Donc, merci pour tout le monde. C'est une équipe, c'est pour tout le monde pareil. On joue tout à l'heure, les gars, là. Ne vous endormez pas sur la fameuse descente sur le La. Et ici, faites un petit peu l'inverse. Calmez-vous un petit peu. D'accord ? Là, il y a un déclenchement de mi à la place du ré, là. Déconnez pas, moi, cet après-midi, si j'entends des choses comme ça à la prépa, avant, je me permets d'éjecter. C'est pigé, là, hein ? Bon, à tout à l'heure. Merci. Pour le reste, ça va. Et Eric, qu'on convienne quand même d'un rendez-vous pour là-bas direct à l'Orient. On dit 2 heures à Dupuy-de-Lôme. 2 heures Dupuy-de-Lôme, costard, prêt bien sûr. Ça marche. Une semaine de travail, ça veut dire on sent toute une progression avancée. Bon là, comme vous avez vu, il restait un petit réglage d'une à deux personnes où là il faut commencer à mettre la pression. Non, autrement ça va très bien. Ouais. Il faut les garder en concentration, comme vous avez vu. C'est un métier. On verra là-bas quoi. Ça montera plus là-bas juste avant de jouer quoi. Et un petit coup de bourre juste avant d'y aller et puis bah quoi ça roule quoi. Donc on verra. Ouais. Pas foutre de bordel là-dedans. Ah
Alors quand on a mis cette tenue là, t'as plus le droit à l'erreur. C'est fini. Maintenant ça commence. Alors ouais, on est à 1h du concours là. Donc là, je pense qu'on va pas tarder tranquillement à souffler dans les bouts de bois là. Donc c'est bien, je pense que ça va permettre à tout le monde de pouvoir se détendre un peu, d'évacuer le stress. Et puis bon, ça va rouler, hein, je pense maintenant. Pour nous, c'est un concert hein, aussi. Donc c'est du bonheur hein, de pouvoir jouer comme ça en public, c'est super quoi. Y a-t-il de l'eau qui traîne ? Il y a de l'eau en arrivant là-bas. Il y en a là-bas ? D'accord, merci. Même rendez-vous que d'habitude ? Ouais, voilà. D'accord, on y va de ce pas. On va rappeler là. Et les petits mouvements mélodiques, pas trop traîner sur les lagraves. Et bombarde l'inverse. Pas d'énervement, on pose le jeu. D'accord ? Eh bien, bon courage et à tout à l'heure au bistrot. Hein ? Là, je crois qu'il y a eu un problème d'un tambour d'une vis qui n'a pas répondu, d'après ce que j'ai entendu. Ça a failli me faire arrêter tout l'ensemble. Ah ouais, mais non, très bien. Cinquième avec 47 points. Quatrième avec 46 points, Joël de Brignac. Bon, ben on est au moins troisième. Troisième, Joël de Quimper. Un jour, on arrivera à les déloger de leur place de champion. Là, c'est les Bagadous.
Quimper a été créé grâce au magasin Kinder Garmel, créé en 1954. Non, non, c'est pas les mots, c'est pas nous, ça, c'est pas les nôtres. Bah, dites pas de conneries. Hein. À Lorient, c'est une fois par an, et puis on est obligé d'être au top tout le temps, quoi. D'habitude, on a le défilé le matin. Et bon, cette année, on n'a pas de défilé. Bon, on préfère quand même enchaîner sur le défilé, hein, parce que là, ça devient dur. Maintenant, objectif, trouver une douche. Et remettre l'habit de lumière pour aller faire le concert. Allez, Erwan. Bon, lui, il ne faut pas se lever. Moi, je vais me mettre du maquillage, puis ça ira mieux. Un peu fond de teint, puis l'affaire est dans le sac. C'est normal au réveil. Je suis pas trop fatigué. On a passé une bonne nuit. Bah, on a fini ensemble à 5h30. Ah bon? Bah ouais. Mais là, Raoul. Ah, Jean-Louis. Alors Matré. On est quoi? T'as vu? Ça va? T'as pas défilé du coup, grâce mat, hein? Ouais. Les nuits sont longues. J'ai trouvé les boutons. Je suis crevé, là. Oui. Je me lève, attends. T'as mangé, gars? Ouais, tout à l'heure, hein. Donc, grosse fatigue. Fatigue intemporelle. Fatigue festivalière. Bon, bah c'est ça, on reste sur le plan. Alors, donc le fourgon vient, récupère le matériel après le concert et l'amène au théâtre direct. On se débrouille avec le car finalement. Ouais, c'est bon, ça roule comme ça. On fait comme c'était prévu. À tout à l'heure, on boira un coup ensemble. Alors, aujourd'hui dimanche, donc pas de défilé ce matin, donc grasse mat efficace. Donc on est en pleine forme pour un petit concert tout à l'heure. Donc trois quarts d'heure de concert. Du bagage Quimper. Il est composé de 30 sonneurs d'une moyenne d'âge de 21 ans. On est là pour supporter les petits jeunes.
T'es sûr que t'as récupéré ta fille à ce matin? Ouais, je viens de redéposer. Oh, la mère a dit. Ah ouais, complètement. Mais non, mais comme ça, ta fille s'habituera à voyager, etc. Ouais, ouais. C'est important. Radio chef. Positivé. J'ai dit, papa, maman, vont se tendre des miches ce soir, on te récupère demain. Pas le tout, t'es sur le pont, mais. Ouais. Des fois, il y a les bébés. On va assurer aussi. On va les jeter, quoi. Hein, ça existe aussi, quand même. Dégage, ouais. Des pommes. Il faut bien des remplaçants à un jour donné, quoi. Ah, on dit, on jette pas le bébé avec l'eau. Ah, ouais, bah là, c'est pas de l'eau. Je me doute. C'est encore, il y a des malades. Ah, ouais, ouais, c'est la trousse de secours, c'est encore, il y a des malades. En Marseille, tu. Marseille, il Je suis au Bagad depuis 1959. Juste après l'époque glaciaire. Vous avez 46 ans, ouais. Si je compte bien, ouais. J'ai démarré en troisième catégorie, parce qu'on était en troisième catégorie à l'époque. Bon, les effectifs n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Hein. On a en corps de muse, les groupes en général c'était 6 ou 7 corps de muse, les bombards c'était 8. Et en batterie, Kessler, c'était 3. 2 ténors et une grosse caisse, voilà. C'était la formation type à l'époque. Les meilleurs souvenirs. Oh, y a des bons, ouais. Des tournées en Écosse, des tournées au Gabon, ben la dernière en Chine. Ah, on se défoule un peu, ouais. C'est pas une bite ordinaire quand t'aimes la foudre dans le derrière. Parce que soudain, tout rempli du cul jusqu'au nombril par du nul. Il chante fou. Bonsoir. Bonsoir. Et où notre loge? Là-bas, à gauche. Moi, je veux une loge que pour vous. Ouais. Maël. Tu veux bien? Non, ah mais c'est vrai, vous êtes tous seuls. Ah ouais, des guerriers, nous. C'est pas normal. On peut pas travailler avec ça. Regarde. Voilà. Pas bien, Tintin. On peut pas travailler avec ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Braise collante, d'accord. Ça, c'est... Il y en a une. Il y en a qu'une. Attends, bouge pas. On est au mois d'août, il faut faire des boutures. Si on pouvait la mettre comme ça, tout en terre. Je pense que demain, on aura un arbre à capsule. Avec du terreau. Ça pousse chef. Ça pousse chef, ça. Jean-Louis. Millésime 2005. Pendant une semaine, on a fait que du concours, donc là, il faut répéter tous les airs de ce soir. Donc, il y a du travail un peu. Il faut être sérieux aussi. Faut pas que rigoler. Vamos, Camille, nous les saludo. Ben, y tu ves con nous. Non. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va, c'est là. Pois a primeira vez que coincidín coa Bagad Kemper foi no Celtic Connections, en Glasgow. Eu xa os coñecía de antes, gustábame moito xa a súa música e o concerto que fixeron ali foi espectacular. Coincidíamos, ademais, compartíamos escenario a mesma noite. E o que máis me gusta deles é que son super divertidos no escenario. Eles están felices. T'as pas le retour des pubs du tout? T'as pas de retour. Mais vous avez besoin de quoi, vous? Tu nous entends pas du tout, nous, genre. Ça dépend ce que tu peux rajouter dedans. C'est bon, j'ai pas les réponses. Merci, Yannick.
sont mis sur l'eau, là, c'est quand ? Entre tourner les poches et Charles. Si. Tourner les ? Comment tu dis ? Tourner les jupons. Ah, les jupons. Ça y est ? Entre ça et Sally. Il voudrait le jingle une fois, José. Pardon. Je l'ai Didier, c'est moi l'autre. Je passe, bon plan de carrière. Top bisou. Ils ont crié quand même. Non, bien, super. Alors on se défoule un peu, non ? Un peu fond de teint, l'affaire est dans le sac.